Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er janvier 2022, j'en profite pour vous souhaiter, si c'est possible, hein? on en est rendu là, à souhaiter, si c'est possible, une bonne année 2022, dans tout ce tumulte et ce chaos et ce bordel mondial, 1er janvier 2022, 8h35, heure du Québec, merci d'être là avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faites là, Merci à ceux qui m'envoient des messages toujours très réconfortants et beaucoup de liens très, très intéressants et pertinents. Souvent, j'en partage un bon nombre avec vous. Là, je comprenne un instant pour aller plonger dans une histoire, hein? parce qu'elle est toujours d'actualité. C'est une histoire qui est le fondement même de nos vies, qui contrôle nos vies, qui contrôle l'humanité encore aujourd'hui après 4-5 000, 000 ans de sa création. Si c'en est une, ou je ne le sais pas, puis ce n'est pas à moi de déterminer ça. C'est une question personnelle, mais ça prend la place et ça dirige l'humanité depuis 5000 ans. Des fois, c'est important qu'on s'y arrête pour se poser des questions. On parle de la naissance, des créations des trois grandes religions. Judaïsme, christianisme, islam, qui sont issues toutes de la même racine. Moïse, personnage biblique qui apparemment... Euh, aucune trace d'existence dans aucune autre écriture. Récemment, pas plus tard qu'hier, DNYUZ, un site que j'aime beaucoup, a publié une petite histoire et qui a retenu mon attention et que je vous partage maintenant. OK, on va aller voir ça ensemble. Est-ce un buisson ardent ou est-ce le fameux Mont-Sinaï Le solstice renforce une revendication publiée le 31 décembre, donc hier. Le mont Kharkhom en Israël, la montagne a gardé ses secrets pendant des siècles, son air de mystère sacré, renforcé par un emplacement isolé dans le désert du Néguelve, dans le sud d'Israël. Mais un jour de la semaine dernière, des centaines d'aventuriers israéliens se sont enfoncés dans le désert pour atteindre le mont Khartoum, déterminés à, à se rapprocher pour répondre à une question aussi intrigante que controversée. Est-ce que c'est le mont Sinaï de la Bible, celui dont on parle de la Bible, où Dieu est censé avoir communiqué avec Moïse hein, dans la forme d'un buisson ardent, où il lui aurait remis la fameuse tablette, ou les deux tablettes des dix commandements. L'emplacement du mont Sinaï a longtemps été contesté par les érudits religieux et universitaires, et il existe une douzaine d'autres prétendants traditionnels, la plupart d'entre eux, dans les étendues montagneuses de la péninsule du Sinaï, de l'autre côté de la frontière égyptienne. Mais la revendication du mont Khartoum a gagné un certain soutien populaire en raison d'un phénomène naturel annuel qu'un groupe d'intérépés d'amateurs archéolo archéologistes et de nature sont venus constater par eux-mêmes. En 2003, un guide et écologiste israélien local se trouvait au sommet du vaste plateau de Kharkoum, un jour de la fin de décembre, à l'époque du solstice d'hiver, lorsqu'il est tombé sur une merveille. À midi, avec le soleil bas dans le ciel, l'un des jours les plus courts de l'année, il a regardé à travers un profond ravin et a repéré une étrange aura de lumière, vacillant comme des flammes, émanant d'un endroit sur une paroi rocheuse abrupte. C'était la lumière du soleil reflétée sous un angle particulier sur les côtés d'une grotte. Mais la découverte a rapidement fait son chemin. La télévision israélienne a été nommée avec fantaisie le fameux buisson ardent. Peut-être que cela, disaient certains, était le feu surnaturel que, selon le livre de l'Exode, Moïse a vu sur la montagne sainte lorsque Dieu lui a parlé pour la première fois et où il recevait plus tard les fameux dix commandements alors qu'il conduisait les Israélites hors d'Égypte. Le buisson ardent jamais consumé par le feu est symbolique dans le judaïsme, le christianisme, l'islam et d'autres religions, y compris le Ba'i, que je ne connais pas et que j'ai pas vraiment envie de connaître. Mais des décennies avant cette découverte astronomique accidentelle, le Mont Carcum captivait déjà certains archéologues avec des indices selon lesquels ou lesquels le site avait joué un rôle spirituel important il y a des milliers d'années. Il y a euh, plus d'un demi-siècle, Emmanuel Anati, un jeune archéologue italien, a découvert une concentration extraordinaire de milliers de gravures rupestres et de cercles rocheux alors qu'il arpentait le plateau du Mont Carcum. À environ 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer, parmi les dessins rupestres se trouvent de nombreux bouquetins, mais aussi certains qui ont été interprétés comme représentant les tablettes des commandements ou d'autres références de la Bible. Au pied du mont Karkoum, nommé en hébreu pour un crocus du désert, il existe des preuves que d'anciens sentiers de migration ont convergé ici et que des rituels culturels ont eu lieu dans la région. M. Anati a identifié ce qu'il pensait être un autel sacrificiel avec les restes de douze piliers de pierre qui pourraient éventuellement correspondre à celui décrit dans Exode 24 que Moïse a construit représentant les douze tribus d'Israël. Dans ses écrits, le professeur Anati a déclaré qu'il n'avait pas entrepris de, recherche, de rechercher ou de chercher le Mont Sinaï, mais après des années de travail sur le terrain d'exploration, il a proposé au début des années 1980 que sur la base de preuves topographiques et archéologiques, le mont Kharkoum doit être identifié avec la montagne sacrée des récits bibliques. Mais à part les difficultés habituelles de l'archéologie du désert, les nomades ont tendance à laisser peu de traces permanentes et toute la question de savoir si une archéologie pourrait être liée à l'histoire biblique de l'Exode, la théorie du professeur Anati posait un problème de chronologie. Israël Finkenstein, professeur émérite d'archéologie à l'Université de Tel Aviv, est un, des, est un des premiers critiques de la théorie du professeur, est un des premiers critiques du professeur de sa théorie, Anati, a déclaré que la plupart, sinon la totalité des sites datables, datables autour du mont Kharkoum, datent du troisième millénaire avant Jésus-Christ. L'Exode, s'il s'est produit, est généralement daté d'environ 1600 à 1200 avant Jésus-Christ. Il y a donc plus d'un millénaire d'écart entre la réalité de Khartoum et la tradition biblique, a déclaré le professeur Philkenstein, ajoutant que, puisque les preuves sont vagues et que l'identification de tel sites comme culturel est une question d'interprétation, il est peut-être plus sûr de ne pas spéculer. Donc, on le sait, il y a un débat là-dessus. Là, là j'ai fait de petites recherches très simples. Euh, sur Google que vous pouvez faire vous-même euh, et euh, est-ce que Moïse existe ailleurs dans d'autres écrits, ce que j'ai posé comme question à Google. Et j'ai eu quelques articles, dont un du Washington Post qui date du 10 décembre 2014, qui se posait la question, est-ce que Moïse existe réellement ou a-t-il été, euh, était-il réel? Si Moïse existait aujourd'hui, que... parce qu'il y a eu un film hein, qui a été fait par Ridley Scott, mais on s'arrêtera pas là-dessus. Là vous lirez, je vous laisserai l'article dans la boîte de description. La figure de Moïse est bien connue, hein, naturellement. Et euh, en dehors des euh, écritures bibliques, il n'y a pratiquement aucune preuve dans les archives archéologiques et historiques de l'existence de Moïse. Il n'y a pas de, can de calendrier exact pour le moment où les événements de l'Exode ont pu se produire. Et avec des conjonctures savantes, couvrant plus d'un demi-millénaire, on n'a réussi à trouver aucune preuve. Hein? Nous ne connaissons pas non plus l'identité du méchant Pharaon dans la Bible, interprété à plusieurs reprises dans des films sous le nom de Ramsès II. Ce Pharaon est célèbre pour ses conquêtes et ses projets de construction, mais dans leurs fouilles et leurs lectures d'inscriptions et de papyrus, les historiens n'ont trouvé aucune trace de Moïse sous le règne de Ramsès. Ils s'interrogent également sur l'événement environnemental, sismique, qui est la séparation de la mer Rouge. Il existe diverses théories scientifiques sur ce qui aurait pu arriver. Mon collègue Chris Mooney, nous dit l'auteur la, de l'article, a examiné un modèle qui a vu des vents forts balayer un lagon saumâtre du delta du Nil, mais pas le, la vraie mer Rouge, créant un canal à travers lequel les Israéliens en fuite pourraient s'enfuir. Pourtant, il existe une myriade de d'autres doutes, doutes dans l'histoire de Moïse, y compris s'il était même un Israélite. Comme l'écrit Joël S. Baden, professeur agréé à la Yale Divinity School, le nom de la figure biblique est un élément commun dans les noms de nombreux pharaons, tels que Toutmosis et le plus célèbre Ramsès Baden, élabore spéculant sur l'histoire de la naissance de Moïse, qui a flotté sur le Nil comme un enfant. Naturellement, on connaît cette fable-là. Euh, fable Donc, pour comprendre Moïse, vous devez scruter cette obscurité brumeuse entre... Les royaumes du mythe et de l'histoire. Pendant une grande partie de l'Antiquité, l'Égypte était une superpuissance impériale à cheval sur la Méditerranée orientale, ses armées s'étendant très loin. Il y avait très probablement des communautés de peuples sub, euh, subjugués de la région qui est maintenant Israël et le Levant, vivant près du cœur de l'Empire. Le mythe de l'Exode, suggère l'archéologue de Cambridge Cyprian euh, Brookbank, était au mieux un souvenir populaire. Réfracté des expulsions antérieures du peuple levantin, il y a des échos du mythe de Moïse dans un certain nombre d'autres traditions. Sa fuite en tant que bébé à travers une voie navigable perfide est similaire au conte de Sargon, un héros prébiblique de l'ancienne Mésopotamie, ainsi que la divinité hindoue Krishna. Krishna, imaginez-vous. D'autres chercheurs ont comparé Moïse à Arquet Naton. Un fascinant pharaon égyptien oublié pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que sa tombe soit découverte au 19e siècle. Contrairement aux rois qui ont régné avant et après lui, Arkenaton était un monothéiste et il a interdit le culte de toutes les divinités, sauf Aton, un dieu universel représenté par un disque solaire. Son épouse énigmatique, Nefertiti, est l'un des personnages les plus séduisants de l'Égypte ancienne. Certains chercheurs pensent que l'hymne à Aton, inscrit dans les, sur les murs de l'ancienne ville d'Amarna, préfigure le psaume 104 de la Bible hébraïque. Les deux sont des hymnes au pouvoir d'un seul Dieu. Voici l'hymne en question. La terre naît par ta main, telle que tu l'as faite. À l'aube, ils vivent. Lorsque vous vous fixez, ils meurent. Vous êtes vous-même la vie. On vit par vous. Un extrait maintenant du psaume 104. Vous cachez votre visage, ils sont troublés. Vous leur coupez le souffle, ils meurent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Le monothéisme biblique de Moïse aurait-il pu être lié au monothéisme historique et hébraïque D'Akhenaton, Moïse est une figure de la mémoire et non pas de l'histoire, écrit l'historien allemand Juan ou Jan Assmann. Auteur du livre ou d'un livre sur la relation entre le pharaon égyptien mercuriel et le mythe héromytique euh, biblique euh, Moïse, alors qu'Arkénaton est une figure de l'histoire, mais non pas une figure de la mémoire, lui. Donc, c'est très intéressant. De se... bon, donc, on fait un, un, aussi un, un parallèle avec le film, mais c'est encore aujourd'hui, euh, naturellement, euh, une question qui, fait, euh, qui est au centre de ceux qui cherchent. Mais dans le fond, c'est une question de foi, car beau chercher, mais il n'y a probablement pas de trace de Moïse. Et ça demeure une question de foi, il faut pas juger ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le monde tourne autour de cette histoire-là, encore aujourd'hui, est contrôlé par cette histoire-là. La majorité de la population des trois religions, ça représente presque la moitié de la population mondiale, et sinon plus, c'est toujours sous le contrôle de ces idées-là et de ces préceptes-là. Je ne sais pas si c'est le temps de changer tout ça. L'avenir nous le dira. Mais je voulais vous partager ça. Je sais, je sais que je vais avoir plein de commentaires. Et c'est ça mesquinerie. que Je le fais. C'est juste au niveau... Parce que de toute façon, moi, je fais référence souvent aux anciennes écritures. Puis je m'y réfère souvent et il y a beaucoup, beaucoup de, de grande sagesse là-dedans. Mais pour ce qui est de ces histoires-là... C'est fascinant de voir, par exemple, les dix commandements, comment c'est un moyen aussi de contrôler la population, et que souvent l'élite se met à l'écart de ça, elle qui veut vous faire la promotion, parce qu'on a besoin de la religion pour continuer à contrôler un certain le, 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 le bassin de la population. On utilise la religion pour ça. C'est parce que souvent les gens n'ont pas confiance, hein, aux politiciens, ont plus confiance. En leur idée religieuse, leur croyance et les représentants de leur religion. Donc, les politiciens vont utiliser les religions pour essayer de se donner une crédibilité. Et moi, j'en reviens toujours au fameux tu ne tueras point, sauf si tu es un pape, un général ou un premier ministre ou un président qui a décidé d'aller envahir pays. Là, ce commandement-là ne tient plus. Mais celui de voler non plus. Mais enfin, je voulais juste vous partager ça en cette nouvelle année parce que c'est fascinant. Naturellement, ça, ça meuble nos vies, ça a meublé nos enfants. Ce qui n'a pas vu ces films hein, épiques d'Hollywood, de Moïse. Moïse est-il réel? Je ne sais pas. Puis je pense qu'on ne saura jamais. Jusqu'à ce qu'on traverse de l'autre côté de la rive. Bonne année, puis je vous reviens. On va avoir une année remplie qui est une année 2022 qui va susciter beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse, surtout pour les libertés, avec des élections, par exemple, en France et aux États-Unis. Est-ce que la liberté est sur le point de disparaître avec l'extrême gauche Probablement que oui, espérons que non.